Je suis le prophète Joël Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Sous l'ordre, le mandat de l'Esprit de Dieu, nous sommes dans le Bas-Sassandra, qui est une région de la Côte d'Ivoire, une partie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là depuis, ça fait maintenant 3 mois. Nous allons de village en village dans le but de pouvoir évangéliser et délivrer de tout le royaume la sorcellerie. Oui, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, dont je dirige le ministère qui est le ministère de la compassion des âmes. Je suis le responsable, comme on dit, de l'Église Pentecôte Authentique International du Côte d'Ivoire. Et nous sommes à Zegreboué. Zegreboué est à 68 km de Sassandra et à 15 km de Sabo. Je suis surtout dans la sous-préfecture de Sabo, où le Seigneur a fait pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de signes de guérison, il y a eu beaucoup de signes de délivrance. C'est là où les grands, le catéchisme de la région a été démasqué, les grands sorciers. C'est là où l'imam de cette région a été démasqué et tout ça. Donc il y a eu plus de 30 sorciers qui ont été traqués. C'est ça, le mal de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Nous sommes en train de désenvoûter, détruire les hôtels sataniques. Le Seigneur est en train de se manifester, du moins il s'est manifesté puissamment. Nous rendons gloire au Seigneur, le combat continue. Nous sommes là jusqu'à, nous sommes dans le mois d'août, nous serons dans cette région jusqu'en décembre. Que la gloire y vienne à l'Éternel.